Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié cette petite intro, moi elle m'a bien fait rire, alors c'est pas moi qui l'ai fait, mais vu que voilà je l'avais vu, elle m'a bien fait rire, du coup je voulais directement partager. Et sinon par rapport au marché des crypto-monnaies, donc on peut voir qu'on est plutôt dans le rouge, comme je l'avais dit hier, on allait sûrement redescendre et baisser, enfin, c'est ce qu'on a fait au court terme, là je pense que ça a continué et qu'on n'a pas fini, parce que là pour l'instant c'est assez léger, on a que 3% sur le Bitcoin, et par contre les altcoins prennent un peu plus cher, on peut voir au niveau de l'Ether 6%, au niveau des XRP on est à 4%, et après ouais, l'ensemble de la map plutôt dans le rouge. Donc au niveau TradingView, comme je vous ai montré hier, je vous ai dit qu'on était plutôt en tendance baissière et moi j'étais plutôt baissier au moyen court terme. On a encore cette grande résistance baissière et pour l'instant on n'a toujours pas commencé le bull run. Et hier je vous ai oublié de tracer une autre droite, mais cette fois-ci de support. Donc voilà, qui part comme ça. Et donc hop. Et voilà, et on peut voir que donc elle part depuis l'ancien bull run, donc voilà, elle est là depuis très longtemps aussi, elle a pu rebondir donc sur la zone où on était là, donc en février, même novembre 2018 quand on était au plus bas, et après donc on a recherché cette zone, donc plutôt la bougie, la mèche elle est encore plus bas, au niveau donc de la crise qu'il y a eu en mars, à cause du coronavirus, et là on peut voir qu'on commence à stopper. Au niveau, donc c'est ce que je vous ai dit hier, hein, je vous ai dit hier, il y a moyen qu'on aille chercher cette zone au grand maximum. Et je pense que voilà, ça fera office de résistance si jamais on va la chercher. Là c'est tout à fait possible, même qu'on commence à redescendre tranquille. Et donc même là c'est tout à fait possible aussi qu'on aille tout simplement complètement descendre, voilà comme ça, petit à petit pour aller chercher cette zone et ensuite rebondir pour percer. On peut faire comme ça et aussi on peut faire une autre chose, donc c'est qu'on aille chercher, voilà, qu'on descende, qu'on aille chercher cette zone et qu'on rebondisse encore comme ça. Et qu'au final on sorte de ce triangle de compression, donc voilà ça fait un triangle de compression mais juste énorme voilà, sur plusieurs années, donc c'est vraiment énorme, et après donc on stagne et là on pète là, et comme on peut voir là, le triangle de compression il se termine en mars 2020, donc c'est dans hyper longtemps, c'est dans pratiquement un an, et donc moi c'est pas ce que je privilégie le plus, parce que voilà dans un an ça veut dire que le bull run il va commencer dans un an, ce serait pratiquement un an après le halving, donc moi j'y crois pas trop, ce que je privilégie plus, après c'est tout à fait possible, ce que j'ai plus privilégié personnellement au moyen terme, ça va être tout simplement un retour sur ces zones, et après peut-être faire une remontée, même aller voir peut-être ça se trouve la zone ici aux alentours des 5000, c'est possible, franchement je sais pas si ça arrivera, ça c'est vraiment personne pour le savoir, on verra bien hein, comment le marché va se dérouler, mais voilà, on verra comment les investisseurs vont se positionner, ben, pour l'instant comme on a vu les institutionnels sont pas mal positionnés, là ils ont acheté en masse avant le halving, donc est-ce qu'ils vont vendre, on verra. Ou alors est-ce qu'ils pensent que ça va continuer à monter? Je regarde de très près Baleine et les institutionnels et pour l'instant ils ont pas l'air d'être d'accord au niveau de leur investissement pour qu'un Bitcoin ait recherché ces zones aux alentours des 5000. Voilà, ça va être une bonne correction comme ça, peut-être aller chercher là, voilà pas plus, hein, voire dans le pire des cas aller chercher là, c'est pas grave, au moins ça permettra de racheter plus bas, et ensuite de direct transpercer, et donc voilà on se retrouvera à peu près en septembre 2020, pour moi septembre 2020 ce serait plutôt pas mal pour commencer le bull run, et on pourrait même le commencer dans le pire des cas, enfin voilà un peu plus tard, vers novembre, même voire décembre, vraiment un peu plus tard. Après bon c'est pas grave, faut mieux que le bull run il se fasse correctement et qu'il prenne son temps, qu'il se fasse rapidement et qu'il se fasse n'importe comment. Et après donc quand on va sortir de ce bull run, ce qui est sûr c'est qu'on va bien monter et qu'après on va directement aller faire un pullback sur ce support, ensuite repartir voilà tranquillement et puis après monter. Et donc voilà c'est ce que je privilégie le plus. De toute façon on verra, on a quelques mois maintenant pour regarder tout ça et pour voir comment ça va se passer. Par contre au moyen terme et même au court terme je suis plutôt comme baissier comme je l'ai montré hier avec le trade que j'ai passé. et que donc voilà, je suis toujours sur Femex. Bon, pour l'instant il est plutôt bien parti. Après voilà, c'est au court terme, hein, le cours peut très bien remonter là, puis au final il va complètement baisser. Donc pour l'instant il n'y a pas trop de tendance baissière ou haussière qui se dégage, même si malgré voilà on descend un peu, ça a pas mal stagné, puis là on commence à plutôt bien descendre, refait des points bas. Donc voilà, c'est plutôt encourageant, enfin c'est plutôt encourageant pour mon trade, pas pour, pour le marché au court terme. Et comme on peut le voir là au niveau du daily, donc on commence à faire des bougies rouges, mais bon, ça reste très petit, on n'est pas allé combler entièrement cette bougie. Il va bien falloir dégonfler ce halving, et je vous rappelle que le halving est dans seulement 10 jours je crois, s'il arrive le 12 mai, donc voilà c'est dans pas longtemps. Et donc il y a des chances qu'à l'arrivée du halving, donc le jour du halving, le cours soit en train de cracher, c'est tout à fait possible, cette belle hausse qu'on a fait. Donc voilà mon plan, et je voulais vous montrer aussi le RSI, parce que, alors pas l'indicateur RSI, mais comment le mettre, parce qu'on m'a pas mal posé cette question. Comment mettre le RSI tout simplement. Donc je vais enlever et puis je vais vous montrer comment je fais. Alors je vais juste dans indicateur ici, donc en haut là. Ensuite je vais dans chercher et là je vais mettre RSI. Et je vais prendre lui là. Alors moi je l'ai mis en favori, je vous conseille de le mettre en favori. Et donc ça va être lui, vous allez pouvoir cliquer dessus et là il va apparaître ici. Et après vous allez juste aller dans réglages. Moi ce que je vous conseille donc c'est mettre, par exemple moi je vais le mettre en rouge. Et mettre un peu plus épais, pas trop si après on voit rien. Mais voilà comme ça c'est pas mal. Ou même comme ça c'est bien aussi, voilà un peu importe, moi je mets lui. Et après ce que je vous conseille c'est mettre les bandes supérieures à 70 et 30, normalement elles sont déjà mises. Et là normalement ce sera bon. Et là vous avez votre récit. Donc voilà pour ça. Et donc ensuite je vais montrer aussi le SP500. Donc hop, comme on peut voir le SP500 il est en train de faire quelques bougies rouges. Donc pour l'instant voilà, il n'y a rien d'inquiétant, enfin rien de très baissier. Ça reste assez stable, même si là au court terme on est plutôt un peu baissier. Donc comme on peut voir vraiment au long terme, voilà, on est vraiment au tout début de cette crise. Enfin voilà, une grande chance parce que comme on a vu là, on a fait une grosse bougie rouge, ça a complètement descendu. La grosse bougie verte c'est remonté et là on commence à entamer une petite bougie rouge. Et comme on le voit dans le passé avec les crises, voilà, ça met vraiment du temps, voilà, 884 jours, 508 jours, alors que là on est seulement à 60 jours. Donc c'est encore très peu. Et ça risque de continuer à descendre ou à se stabiliser durant quelques mois. Et donc tout ça pour dire que le Bitcoin est très corrélé au SP500, parce que voilà, le marché, même si le but du Bitcoin c'est qu'il soit décorrélé aux autres marchés, il reste tout de même corrélé au SP500, parce que sa capitalisation de marché au Bitcoin est vraiment toute petite, même si c'est des centaines de milliards, c'est tout petit par rapport à ce marché traditionnel. Et du coup dès que le marché traditionnel fait une grosse baisse, une grosse montée, peut-être pas en hausse mais plutôt en baisse, dès que le SP500 fait une grosse baisse, le Bitcoin va suivre au court terme, et ça c'est sûr. Et donc comme on l'a vu là, Bitcoin a fait à peu près pareil, il a bien craché et après il est direct remonté, donc comme a fait le SP500, après il a été plus fort le Bitcoin, parce que comme on peut le voir, il est direct allé rechercher voilà, les anciens plus hauts pratiquement ici avant que le crash, donc par là, alors que le SP500 voilà, il n'est même pas à la moitié, donc il galère encore plus. Et donc voilà, cette hausse de l'SP500, donc ce rebond qui est juste ici, donc voilà, ce qui est juste là. Ça c'est complètement fake, ça veut dire c'est pas naturel du tout. C'est juste la Fed, donc c'est la bourse américaine qui a injecté des milliards, des trilliards d'euros pour faire monter le prix artificiellement pour pas que les marchés s'effondrent tout simplement. Et donc il y a énormément de chances, donc voilà, qu'on fasse comme ça. Donc quand on baisse c'est toujours comme ça, c'est une descente, une petite montée, un rebond, une descente, un petit rebond, une descente. Et donc là voilà, on est pile dans cette configuration où tout simplement on descend, on fait un rebond et là on est plutôt en train de descendre. Bon peut-être ça peut continuer à monter. De mémoire, ce que j'ai plus privilégié sur le SP500, c'est une petite descente quand même. Donc soit on va aller chercher encore plus bas, soit cette grosse baisse est finie et on va aller chercher par ici, ou même aller voir retester ce support, et ensuite direct remonter, et faire ça peut-être plusieurs fois jusqu'à ce qu'on casse. Et donc forcément, si le cours il descend, là, ça peut faire combien de pourcents ? Voilà, à peu près 20%, même voire plus, ça a forcément impacté le Bitcoin, et vu qu'en plus il a fini son halving, tout ça, voilà, ça m'encourage dans le fait qu'il va être baissier, qu'il devrait continuer à baisser et pour aller rechercher des zones comme ça, et puis ensuite consolider et péter vers là-haut. Donc voilà, je suis plutôt confiant pour mon trade, à voir ce que ça donnait, on verra bien dans les prochains jours. Au niveau du CryptoFun Grid, donc on est 44, toujours un peu dans la zone neutre, comme hier, 45. Je vous conseille plutôt de vendre, après ça, le CryptoFun Grid, voilà, il est plutôt entre les deux, donc acheter ou vendre, il sait pas trop. Au niveau des actus, donc on a John McAfee donc, qui tease à nouveau l'identité de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a créé le Bitcoin, mais c'est un pseudo, du coup on ne sait pas si c'est un groupe de personnes, si c'est une femme, si c'est un homme, on ne sait pas qui c'est, d'où il vient, c'est rien du tout sur lui. On pense que c'est un japonais, mais on n'est pas sûr. Donc voilà, John McAfee, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je crois pour le Bitcoin il y a 1 million d'euros, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et donc c'est celui qui a créé l'antivirus McAfee. Et bon, il est très connu dans le milieu de l'informatique, tout ça, il a fait pas mal de bonnes choses. Mais voilà, au niveau du Bitcoin, il manipule un peu les cours, il dit un peu n'importe quoi, c'est un peu un gamin, il fait n'importe quoi. Il a dit que le Bitcoin il vaudra 1 million d'euros en 2020, enfin voilà, il dit n'importe quoi, il fait ça pour manipuler les cours, en fait, si vous voulez. Et au moins, ça, vu qu'il a énormément d'influence, les gens vont le suivre. et du coup ça, il arrive à acheter au plus bas grâce à, en manipulant le cours. Et du coup il se fait de la thune comme ça en manipulant le cours, tout simplement en utilisant son influence. Et on peut voir plein de personnes qui ont fait ça, comme en 2007 il y avait plein de personnes de grandes célébrités, enfin de grandes célébrités, de gens assez connus dans le milieu de la finance, qui disaient faut acheter Bitcoin, c'est l'avenir, machin. Pour moi ça poussait les gens encore plus à acheter, vu qu'ils disaient ah ouais lui il a dit ça, vu qu'il est hyper connu, il est super fort dans le domaine, et bah forcément ça va encore monter. Du coup les gens achetaient encore, et lui il savait qu'il vendait, donc quand lui il disait il faut acheter Bitcoin, il vendait. Et à l'inverse, quand on était en novembre 18, il disait tout est mort, le Bitcoin c'est fini, c'est de la merde, machin machin, et au moins ça poussait les gens encore à vendre et à baisser encore le cours du Bitcoin encore plus bas, et du coup lui il peut racheter encore plus bas. Et donc il faut faire attention à ces gens, souvent ils disent, enfin ça dépend lesquels, hein. Il y en a ils essayent de bien faire, mais il y en a certains ils essaient complètement de manipuler le cours pour faire encore plus de thunes. Et donc voilà, il nous dit qu'il sait qui c'est le Satoshi Nakamoto, enfin je pense qu'il dit encore un peu de la merde, mais bon on verra bien par la suite s'il a raison. Donc au niveau des États-Unis, le Sénat envisage d'utiliser la blockchain pour un système de vote à distance. Donc voilà, encore un moyen d'utiliser la blockchain à son plein potentiel, avec tout simplement un système de vente à distance à cause du coronavirus. Donc voilà, c'est super bien. Et donc voilà, c'est encourageant pour la blockchain. Après voilà, c'est rien à voir avec les cryptos. Enfin, c'est comme lié, la blockchain est comme liée à les cryptos, mais ça reste tout de même deux choses différentes. C'est comme si par exemple je vous dis on associe la blockchain à Internet. Et par exemple le Bitcoin ça va être par exemple YouTube. Donc voilà, Internet c'est plein de choses, c'est YouTube, c'est pas que YouTube. Et donc voilà, Internet c'est pas que YouTube, ça peut être Facebook, vous pouvez faire plein de choses, plein de réseaux sociaux, les envois de mails, enfin voilà, il y a plein de choses différentes qu'on peut faire avec Internet. Mais et YouTube c'est juste une partie d'Internet. Et en fait la blockchain, et en fait Bitcoin c'est exactement ça, c'est juste une partie de la blockchain. Les crypto-monnaies c'est juste une partie de la blockchain. Pour l'instant c'est plus connu, c'est plus mis en avant à ce jour, mais ça risque dans les prochaines années, comme on le voit ça avec les votes, ça risque de plus en plus utiliser la blockchain, et que ça qu'il y ait plein de nouveautés, plein de choses qui soient créées sur la blockchain, et qu'aujourd'hui on n'a même pas conscience. C'est comme par exemple à l'époque, avant les années 2000, on connaissait Internet, on savait à peu près à quoi servait Internet, mais on pensait pas à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on fait aujourd'hui qui étaient impensables il y a quelques dizaines d'années, et ce sera pareil, enfin ce sera sûrement pareil avec la blockchain. Donc voilà, plutôt encourageant pour le domaine blockchain avec cet article, surtout que les États-Unis, voilà, ils sont plutôt assez gros, donc s'ils font ça, parce que pour l'instant c'est juste envisagé, mais s'ils le font, ça apportera plus de lumière sur ce domaine de la blockchain et même indirectement sur les cryptos. Voilà, c'est tout ce que je veux dire, j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous donne un ciao.